Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FS17, mais cette fois-ci, on n'est pas sur la partie, comme vous voyez, la partie, comment s'appelle? La partie, la reprise d'une ferme, ni sur, la partie notite. On est sur la partie, on est sur la partie, on est sur la partie à moi, qui est une partie perso. Alors, ce sera une vidéo de détente, vous inquiétez pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va ramasser le blé que j'ai récolté. Désolé des petits coups de like, je sais pas pourquoi. Et donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ça sera une vidéo détente et pas une vidéo sur l'épisode. Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai plein de matériel. J'ai du 180 chevaux. Tu vois, il y a des trucs qui sont pas à moi comme la moissonneuse, la barre de coupe, etc. Et c'est tout ce qui est de l'entreprise de l'ETA. Donc voilà, moi je vis avec avec ça comme véhicule. Bon, il faudrait que je remette l'argent parce que 20 000, peut-être que c'est ça, 20 000 quelque chose. Donc voilà. Donc je suis en très difficile. Donc voilà, alors, hop là. Désolé, des petits coups de lag, je sais pas pourquoi. Ça vient peut-être de mon i3 aussi, mais bon, hein, je pense que je vais laisser tomber l'achat du PC, mais j'en achèterai un, vous inquiétez pas, je vais mettre des sous de côté. Je verrai. Pour l'instant, il faudra se contenter de celui-là. Donc aujourd'hui, ça va être ramassage de. Bon, allez, hop là. Bon, je le fais manuellement parce que normalement, voilà, pourquoi je fais ça directement à la benne, vous allez dire, mais pourquoi t'as pas pris la moissonneuse et vidé dans la benne? Si vous souvenez-vous du live de la semaine dernière, pas celui-là mais l'autre, je pouvais pas vider dans la benne. Du coup, je vidais par terre. Du coup, j'ai décidé de vider par terre et de charger au godet. Donc voilà. Désolé, je vois rien. Voilà, ça n'a pas tout pris. Et donc voilà, c'est un petit peu chiant, mais bon. Voilà, vous verrez du chargement et de la vente et peut-être de la moisson. Et de la moisson. Donc je vais peut-être acheter une autre benne un peu plus pas un peu plus grosse mais qui aille un peu avec celle-ci mais sans trop parce qu'il faut savoir j'ai encore de l'achat à faire hein.
J'ai pas fait les animaux, j'ai pas fait les vaches, donc ça peut. Après, c'est à peu près comme la partie reprise d'une ferme, ça sera à peu près les mêmes matos. Excusez-moi. Voilà. Et donc, je dois être plein. Ouais. Et donc voilà. Et voici le gros monstre. Hein. Il fait 180 chevaux. Alors, est-ce que la coopérative, ça va monter ou baisser? Là, c'est en baisse. C'est en baisse, c'est en baisse. Par contre, le colza est en forte demande. Enfin, pas en forte demande, mais en forte de prix élevé. Ah, oups. Il faut savoir que j'ai essayé de. Alors, attendez. Avant que je vide, je vais. Ouais, cool. Plus je passe par ici. Je vais prendre ma feuille. Excusez-moi si vous entendez du bruit. Ma feuille. Parce que je n'ai pas ouvert mon truc. Pour voir combien on a gagné en somme. Ça peut me payer la peine. Pas rapporté beaucoup, hein, 400 euros la tonne. Alors, verdict à la fin. Alors, 7 268 € à mettre en plus sur le compte en banque. Ma récolte. Ça change avec ces champs-là, hein, faut savoir. Allez. Il me reste le colza à faire. Ah, et on va prendre l'autre. Bon, une benne ou deux, hein.
Bon, celle-ci, on va dire que... Voilà. Je dois avoir quoi, les 2 tonnes. Bon, les 2 tonnes, on va les mettre... On va les mettre dans la cellule. Non, on va les vendre. Du coup, les 2 tonnes. On va les vendre les 2 tonnes. Combien? J'ai ouais 3 tonnes. L'intérieur du gros. J'ai eu un petit coup de lag d'un coup. Faudrait que je trouve pour l'achat d'une. Combien cette fois-ci? 1296 plus 1296 euros. Après j'accumule, vous inquiétez pas. Voilà, remarque, je pense que je vais la mettre là. Je vais la mettre ici, tu vois. Hop là, Yump Speed, hop là. Ok, la moissonneuse n'est pas moi. Il faut savoir que je l'ai loué. Ça, j'ai loué la barre de coupe et le godet. J'ai fait 1h02. Peut-être préparé parce que là il est que 15 minutes. Il est 16h, je voudrais bien tout ramasser. Voilà. Avec le pulvé et tout là, vous inquiétez pas que c'est du rendement chez moi. Donc voilà. On va prendre juste la photo du tracteur, du gros tracteur si vous voulez. On va la mettre comme ça la machine. Et on va se prendre une petite photo en direct. Alors, il est où le gros? Il est où le gros? Voilà, comme ça, ça sera la petite miniature. Si je me mets en 8 et 0, vous
Voilà. Si vous voulez, vous me le dites. Je le mettrai peut-être dans les mods. Sachant que je mets presque plus de mods. Donc, c'est trop de boulot. Donc, voilà. C'est ma première photo? Ouais, c'est ma première photo. Donc, voilà. Donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à me suivre sur les tout ce qui est en description, Twitter, Facebook, même mon autre chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire un tour à Instant Gaming pour avoir les jeux encore moins chers qui se sont. Faut savoir que j'ai payé 4 DLC ETS2. Je vous en parlerai tout. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez faire un don, dans la description, hein, il y a le lien du PayPal, vous inquiétez pas. Il y a mon Twitch, il y a mon Discord, si vous voulez venir. Donc voilà, donc nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Bah, vous aurez une vidéo bonus numéro 2 qui va arriver. Je ne sais pas si elle va arriver pile poil samedi ou... Pile poil, il faut savoir que cette semaine, faut savoir que aujourd'hui je fais la vidéo, on est samedi pour moi, vous l'aurez pour mardi peut-être, et si tout, parce que normalement dimanche je fais les vidéos, mais comme je suis pas de la journée, je vais faire la vidéo effet 17, et sachant que la bonus j'ai déjà tourné il y a quelques jours. J'ai dit ça c'est bon. Donc voilà. Donc nous on va se laisser là pour cette vidéo. Et puis bah, nous on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis bye bye.